Bien-aimés frères et sœurs en Christ, shalom. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce jour, nous voulons vous parler de la foi. La foi, c'est quoi? D'après la Bible, d'après Hébreux chapitre 11, il nous est dit au verset 1er que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est ça la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas une chose, mais on sait que la chose existe. Par exemple, Dieu est esprit. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais on croit que Dieu existe. Dieu est là, Dieu est vivant, Dieu est réel. Alors, quand vous croyez dans quelque chose que vous ne voyez pas avec vos yeux, mais par la foi, vous savez que la chose existe, c'est cela même la foi. C'est cette ferme assurance-là des choses qu'on espère, des choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut même pas entendre. Mais nous savons que ça y est là. Alors, on nous dit que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi. Dans la Bible, on dit qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il est paru plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Maintenant, ce qui est important, verset 6, on nous dit ceci dans Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu puisse croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous comprenez que quand quelqu'un n'a pas de foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, si tu te dis chrétien, tu dois avoir la foi. Un croyant, c'est celui qui croit en quelqu'un, qui a la foi. Enfin, le fait seulement de croire, c'est ça la foi. Alors, si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Dieu ne peut pas vous accepter. Il faut que quand vous approchez de Dieu, que vous croyez déjà que Dieu existe. Quand vous allez dans la prière, vous devez croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Quand vous priez, vous devez croire que ce que je demande, Dieu a entendu et Dieu va répondre. C'est ça la foi. Il faut marcher par la foi. Un chrétien marche par la foi. Un chrétien, quelque part là, la foi n'est pas toujours conforme à notre raisonnement. La foi, c'est tout autre chose. La foi, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas toucher. Donc, la foi vous déclare l'existence de quelque chose que vous ne voyez pas. Comme Dieu. Quelqu'un peut vous demander, mais est-ce que tu peux me prouver que Dieu est là? Tu ne sauras pas le prouver scientifiquement. On ne peut pas prouver Dieu scientifiquement. Mais, tu as la foi, par la foi, tu peux démontrer que Dieu existe. Dieu m'a sauvé. J'étais un païen. J'ai cru à l'évangile. J'ai cru au message. J'ai cru à la prédication de la parole. J'ai accepté mon Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur Sauveur personnel. J'ai pris mon baptême. Ma vie a changé. J'ai vécu une expérience. Je ne sais pas vous dire quoi, mais je sais seulement que dans ma vie, quelque chose a changé. J'étais errant, j'étais débauché, j'étais ceci. Mais par la foi dans l'évangile, dans la parole de Dieu, j'ai vécu une expérience de conversion. Ma vie en a été transformée. J'ai changé, je suis converti. Vous voyez? Donc, par cette expérience, je sais dire qu'il y a un être que je ne vois pas, il y a une puissance qui m'a transformé. C'est ça la foi. Donc, c'est la pleine assurance des choses qu'on espère. Vous voyez? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Mais on sait que ça y est là, qu'on ne touche pas.
qu'on n'entend pas, qu'on ne sent pas. Et cette foi-là, la foi vient, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc pour avoir la foi, pour être agréable à Dieu, vous devez entendre la parole. Trouver l'occasion d'écouter la parole. Aller à l'église où on prêche la parole. Écouter la parole à la radio. Écouter partout où on prêche la parole. Où on lit la Bible, on prêche. Vous-même, lisez la Bible. Car la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole. Pas la musique, pas ceci, mais là où on parle, peut-être si c'est une musique chrétienne, on chante la parole, on parle de la parole, ça, ça peut créer la foi. Donc, la Bible est très claire. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu des témoignages favorables. Donc, il y en a qui ont vaincu, qui ont été des héros. Il y en a qui ont vaincu la puissance du feu, qui ont été jetés dans le feu, et le feu ne les a pas brûlés à cause de la foi. Nous voyons des gens comme Daniel qui fut jeté dans la fosse au lion. Le lion ne l'a pas dévoré. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié à Dieu, il avait la foi. Vous de même aujourd'hui, si vous avez la foi, Dieu peut accomplir beaucoup de choses dans votre vie par la foi. Voyez, vous pouvez défier les sorciers, vous pouvez défier les gens. Ils vous poursuivent, ils cherchent à vous nuire. Ils n'arrivent pas à vous atteindre. Pourquoi? Parce que vous avez foi en Dieu. Vous avez mis votre confiance en Dieu. Vous croyez que Dieu vous protège. Et réellement, ce que vous croyez, c'est ce qui vous arrive. Très souvent, Jésus, quand il était sur la terre, il pouvait prier pour les gens. Il leur disait, ta foi t'a sauvé. Parce que tu crois qu'il te soit fait selon ta foi. C'est pourquoi je vous exhorte, je vous invite à la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à honorer la parole de Dieu. Chaque fois que l'on prêche, sachez que quand vous écoutez, quand vous lisez, plus vous lisez, la foi est en train d'être créée, la foi est en train de s'installer. Et quand vous avez la foi, vous pouvez être agréable à Dieu. Vous serez alors un jour enlevé comme Enoch fut enlevé, parce qu'avant son enlèvement, il y eut des témoignages qu'il était agréable à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ayez foi en Dieu.